Pour le combat du fraté, cette semaine, il y avait une particularité, c'était que vous Effectivement. avez choisi non pas un deck, mais sur Deux quatre decks, decks deux decks. de la communauté. Et vous avez choisi le premier. Effectivement. Donc le premier, vous avez demandé un Janemba, mais pas n'importe lequel. Pas le promo, mais tout-doudoudou, le Janemba de du booster. BT5, et vous avez choisi le deuxième deck, Super C17, BT5 aussi, donc combat Runimatic. BT5, ouais. Je vais vous présenter le leader, parce que c'est vrai que même moi, je connaissais pas plus que ça. C'est parti, un Super C17, donc qui dit en auto, explosion 2, vous devez placer les deux cartes du dessus de votre deck dans votre zone de dispersion pour activer cette capacité. Quand cette carte attaque, on pioche une carte. Il s'éveille à 4 points de vie au moins. Et vous pouvez choisir jusqu'à deux sources d'énergie, les passer en mode action et retourner la carte pour devenir un Super C17, le mal entrecroisé. Il nous dit en auto, étincelle 5. Donc cette capacité prend effet quand vous avez 5 cartes ou plus dans la zone de dispersion. Et quand cette carte attaque, on pioche une carte. Cette carte acquiert coup critique. Mesdames et messieurs, pour toute la durée du tour. On reste dans le crit, toujours. Activation principale, si votre adversaire a 10 cartes ou plus dans sa main, il en choisit et en place dans sa zone de dispersion jusqu'à n'en avoir plus que 9 en main. Simplement. Voilà. Pas mal celui-là. Moi, je pense qu'il va me plaire. Et le tien? De mon côté, messieurs, dames, Janemba, il a explosion 2 en auto. Donc, quand sa carte attaque, piochez une carte en zone explosion 2, donc on envoie deux cartes de mon deck au cimetière. Avec un petit éveil de deux sources d'énergie. Et de l'autre côté, étincelle 5, donc quand j'ai 5 cartes dans le cimetière, quand sa carte attaque, je pioche une carte toujours. Et elle acquiert coup critique pour toute la durée du tour. Ça Très fait très 15 fort, crits. très très fort. Et là où c'est encore rigolo, vraiment rigolo. Activation principale, choisissez une carte de votre main et la placez dans vos zones de dispersion. On peut dire, peut-être comme le promo, mais non, encore mieux. Pour toute la durée du tour, alors, c'est pas trop le menteur, je vous rassure, c'est juste mon chacha. Donc le second virus, C'est vous l'avez pas encore virus, vu, c'est virus, qui est en il train de détruire la Terre. voilà. Donc. Pour en reprendre, non, il n'annule pas une attaque en défense en bleu, mais pour toute la durée du tour, quand votre adversaire active un contre-mise en jeu, il choisit 3 cartes de sa main et la place dans la zone de dispersion. Directement, moins 3 si tu Aïe oses aïe contrer. aïe aïe aïe, ça va pas être simple. Le Janemba est là. Ok, et eh ben allez, on y va. On y va, monsieur. C'est parti. C'est vrai qu'on n'a pas coupé. C'est pas grave. Je suis gentil. Alors. Ah, on a le petit virus qui commence à Petit régler pour virus voir ce qui qui se se passe. montre. Le second virus. Je sais pas ce qu'on veut te garder en fait. écoute, On va juste renvoyer une. je pense qu'on va en renvoyer une aussi. Simplement une. Alors, dernière nouvelle Tiens, non. du. Et tu touches Ah pas oui, Ymara. non, 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 virus. Non, non. Virus pour savoir les grosses papates. Je pense qu'on va voir peut-être le deuxième chat. Hein. Je vais l'enlever aussi. Non. Alors, je disais, dernière nouvelle de notre joueur français au championnat d'Europe. Ah, attendez, je vais me battre avec Beerus, je reviens tout de suite. Parce que. Bon. On disait, Désolé. le joueur français au CDE est en finale et a gagné la première manche. Et Effectivement. alors qu'il est, il doit rester une dizaine de minutes, C'est ça, peut-être ne pas 15, assez 10 grand-chose, minutes. effectivement, à l'heure actuelle. Donc, je pense que ça semble bien Bien parti pour parti. lui. On ne peut pas porter malheur, Et mais pour la France, on allez. pense que la France est là, messieurs, dames. Ça serait beau, ça va être beau, espérons-le. Espérons de tout notre cœur. Allez. Le défi. T'as pioché ou pas? Non, J'ai pu, c'est pas par contre. Oui, t'as pas encore. Oui, t'as pas encore pioché, hein. Ouais, j'ai pas fait effectivement. On coupe le mien. On fait les choses dans les règles de l'art. Je repioche ma carte. Les points de vie arrivent. Et on va pouvoir faire le premier combat au dé, finalement. Comme d'habitude. 3. 3 de ma part. Et Je vais prendre le dé, comme jamais. d'habitude.
comme d'habitude. On en découpe. On lève le dé. On en découpe. 3. Je reprends le dé et on va refaire 3. Ah, 2. Allez. C'est comment ceci? C'est parti. À toi l'honneur. Je ne cache pas. Ceci en énergie. Tac. Tac. Pour 1, je vais call. Parce qu'on est tous fans de la musique. Saiki, fan de musique. Donc pour le lore, ceux qui se rappellent d'avoir vu le film Tianemba, tout part de lui. C'est ça. Le monsieur qui écoutait de la musique. Ce petit con. On va même dire ce petit con. Qui a fait exploser, il me semble, une machine. Une machine des enfers, effectivement. Avec les forces démoniaques. J'ai cassé le virus. Alors, on va éjecter Beerus de la planète, de l'univers. Il va changer l'univers. Alors, décidément, je crois qu'on se bat plus avec les chats qu'avec les cartes. Alors, dis-moi. Juste tourne un petit peu sur la droite. Là, on est pas mal. Allez. C'est bon, on a retrouvé l'antenne. Excusez-nous. Je ne sais pas. Ah, il y a ma recherche. Le fan de la musique. 3 et 3, 6 et 1, 7. Donc, effet quotidien sur le terrain. Saiki me dit que je peux aller choisir un Janemba où on est bien fourni et le récupérer en main. En vue de la main. Je pense qu'on va pas se faire prier, on va faire peur à petit Woodjuice. Et je vais présenter le temps redouté en BT5. L'épée démoniaque. Une carte qui a été rééditée hein, avec c'est quoi, avec les l'anniversary box, non? Effectivement, ouais, hein. On l'envoie avec une autre version avec l'épée. Ouais, c'est vrai. Hop. En main. Ah, j'avais pas vu, les boules de gorille ont triomphé de Beerus, effectivement. Les boules du gorille divines. Les boules divines du gorille. Mais ce deck-là, vous verrez, un jour, il va gagner le championnat du monde. Ce serait une fin de tour, monsieur. Et on rigolera moins, là, quand on verra le Worlds, les boules divines du gorille, triompher. Vous verrez, vous direz... Tout deck méta. Et vous direz, j'étais là à la naissance du deck. Allez, j'énergie, je mets une énergie. Oh, attendez. C'est bon, le joueur français va gagner. Ah là là, je crois que c'est fait. GG. Ah, gros GG. Eh bah écoute, Steven, donc c'est ça, si je me trompe pas. Eh bah chapeau. C'est et une regarde. La France est fière. Te dit merci et très fier de toi. Merci pour ce que tu as fait. Et il va falloir qu'il réitère, parce qu'après il y a les Worlds. Il va falloir qu'il réitère l'exploit, mais c'est dingue. Ça va être incroyable. Il va falloir le pousser. Hein. Ouais, parce qu'on ne sait pas où ça va se passer, ce World, finalement. Est-ce que ça va être aux States, à mi-chemin? On verra bien. On verra bien, effectivement. Écoute, je vais faire une explosion 2. Je mets les deux cartes du dessus de mon deck. L'Amazon Dispersion. Oh là 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 là. Il est déjà prêt. C'est pas super. Et. C'est au moins de ton attaquant. J'attends. Je contre pas, monsieur. Ok. Je pioche. Parce que vous avez explosé. J'ai explosé. 10 000. Bah écoute, on va rester à 10 000. Je la prends. Ok. Je vais me prendre mon petit dégât. Ça va être une fin de tour. Tu l'as vu. Et tu le verras plus. L'épée démoniaque. Je pense qu'on va pêcher. Avec mon leader, je vais chatouiller ton leader. Pas de contre. Explosion 2. Plus une carte. Je ne vais pas booster, je vais rester à 10. Simple fin. Je ne booste pas, je prends. Je suis à 7. Je vais m'amuser. Et faire une objection. Mettre des pierres en énergie. Une corrélation. Ok. Mmh.
Et je vais annoncer une fin de tour, attends. Ok, je pioche. Je mets ça en énergie. Je vais jouer. Oh, oh. C17. N sans fin. Parce que cet homme-là, il est fâché. Il est très fâché, il est très nerveux. Il va attaquer ton leader. C'était pas de compte. Alors cet homme-là, il dit que quand il attaque. Explosion 3. Et gagne 5000 de puissance avec air coup critique. Donc tu vas remuer les 3 cartes. Ça me plaît. Hein. De toute façon, dès que je vois critique, moi, ça me plaît. Il est heureux. Dès qu'il voit du critique quelque part. Je suis pas chiant. Ça peut être une commune, mais c'est écrit crit dessus, moi ça me plaît. Et ça brille. Et, ouais. Et en plus, si ça brille, alors là, c'est. C'est une bonne carte. C'est le summum. Donc tu as 15 crit. 15 crit. Arrigo, on va enlever des cartes. De nouveau Arrigo. Ce tour-là, nous moutons à 20 000. Voilà, ok. T'es à 20 000. Je vais quand même attaquer. Je contre pas, monsieur. Je contre pas. Pour lui. J'explose, à nouveau. Ce tour-là, il explose. Il explose souvent. Et pioche. Bah écoute, je reste à 10. C'est pas ça. Ok, allez, fin de tour. Comment c'est tendu cette histoire? Je vais attaquer. Ton 17. J'y vais. Pas de contre, hein. Je vais faire l'explosion 2. Ah, ça c'est moche. Ah, c'est toujours moche. Ah oui. Petite dimension. Toucher une carte. Ouais. Je vais dire pas de boost. 10 contre 10, monsieur. 10 contre 10. 10 contre 10. On va pas booster. On va prendre. Sur le C17 au présent. Ah, c'est 17. Excuse-moi, j'ai pas suivi. Donc, Tu peux rebooster si tu veux. Excuse-moi. Oui, non, je t'ai resté. Bah, du coup, ouais, ça m'embête un peu, hein. Je vais booster. Vas-y. Ça m'embête. Je vais booster avec. Avec ce petit mec là. Qui est très fort. Elles me plaisent les cartes là, c'est 17. Hein. Non, ça vous plaît, net, hein. Ça me plaît, je booste avec celui-là. D'accord. Pour deux. Ça y est, le fan de la musique a fait sa bêtise, il a explosé la machine, et quel est ton nom? Et il se transforme. Tianemba cœur d'enfant. Là, il se pose sur le trône de... Comment il s'appelle déjà? Royama, je crois. Royama. Oui. Royama, c'est Royama, oui. Et là, il crée ce petit bonbon. Tianemba cœur d'enfant. Qu'est-ce qu'il dit? Une évolution 2, c'est pour ça que pour 2, il est venu. Et il a barrière. Et pour 1, je vais pouvoir choisir jusqu'à un Janemba depuis mon deck, le transférer dans la dimension parallèle, mélanger mon deck, placer sa carte au-dessous du deck, et choisir jusqu'à un Janemba avec un coup d'énergie de 4 dans ma dimension parallèle et la jouer. Il fait tout ça. Okay. Et je vais dire fin de tour à toi. Ok. Il fait pas mal de choses, effectivement, ce thème-là. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Okay. Je vais mettre copain d'énergie. Mm-hmm. Alors, ensuite. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dispersion? Montrez-moi.
pour 3. Pour 3. On va jouer cet homme-là. Ouh. Ouh, le effecteur. Alors, il dit Union absorbe. Placez un C17 depuis votre main ou votre zone dispersion sous cette carte. Je vais laisser jusqu'à un super C17 avec un coût d'énergie de 4 depuis votre deck, depuis votre zone dispersion. Jouez-le par-dessus cette carte, puis mélangez votre deck si vous avez regardé à l'intérieur. Alors, je vais placer un deck, un C17 depuis ma main, zone dispersion. On en a pas mal en zone dispersion. C'est là où ce deck est vraiment génial. Puisque vous pouvez recycler votre zone de dispersion sans problème. J'avoue qu'il y a le choix. Donc on va mettre celui-là en dessous. Donc c'est un film, c'était pareil que quelqu'un. C'est un Hellfighter celui-là, effectivement. Tu fais bien de me le dire. Parce qu'il y en a un autre là. Du coup, il n'y en a pas que je peux mettre en dessous. Voilà. Je vais prendre moi celui-là. Que je vais mettre en dessous. C'est bon. Et là, tu vas avoir le choix. Quelqu'un qui me fait de l'œil là-dedans. Oui. Celui-là il est pas mal. Je fais jusqu'à un super service. Allez, on va mettre celui-là. Entièrement bon. On est bon. On est bon. On est bon. On attaque, leader. Encore le critique. Génial, pas de contre. Allez, on explose. Et il gagne 5000 écrit. Ok. Est-ce qu'on booste? On booste pas. Je la prends. Ok. Ensuite. Alors, quand je joue cette carte, je suis une garde de combat. Adverse, c'est la même KO. Est-ce qu'il a barrière? Il a barrière. Effectivement, on est bon. Un coup de 20 000, je vais attaquer. Il n'est pas critique celui-là. Non, pas critique. Non. Il y a déflexion. Ok, 20 000. Je booste pas. Ça prend. Ok. On attaque. Avec le leader. Pas de compte. J'explose. C'est une machine à explosion. Hein. C'est ça. C'est il explose à tout va. J'avoue, et je pioche. 10 000. Bah écoute, on va rester à 10 000. Ça hein. Prend. Allez, et fin de tour. On va mettre les ouais, des agents. Je suis à 7. 7 pour Ouzios. Et moi, j'ai pris très tarif. C'est pas ça ce que je viens de dire, mais je le dis. J'ai pris très tarif, messieurs dames. Tarif. Et je suis passé à 4 d'un coup. Il m'a mis une baffe, là, je m'en suis pas relevé. Là, il a tapé. Donc là, j'ai pêché ma carte et j'ai pas mis d'énergie, mais d'accord. Je vais mettre en Si, attends, t'es à 4. Si, tu l'as mis. Non, parce que j'avais fait objection avant. Ah, t'as fait objection, ouais, c'est vrai. Tac. Si, on est bon. Ça. Je vais attaquer ton C17 là. C'est le 7 est strong, tellement strong. Je vais compter. Étincelle 5, on les a. Je prends en PV. Je passe à 6. Les attaques. Moi, je vais quand même activer mon auto. Fais une explosion de 2. Cherche une carte. L'attaque est terminée, je suis à 19 000. Que faire? Prends deux. Je vais activer une objection. Et je vais m'en balancer un arico magique. Monsieur rampe.
Monsieur M rampé. C'est ça. Après C21, ah je oui, vais vraiment parler de chose, tu vois. Moi, je suis à 3 pauvres énergie, lui, on est déjà à 4, 5, 6. 6. Tranquille, le double. Ouais, pas de soucis. Il est plus vite. Vas-y, bah, va dire une fin de tour, allez, toi. Aïe, 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 c'est pas juste des fois. Hein. Ouais, des fois, le monde n'est pas juste. Il n'y a pas de justice, là, quand même. Hein, je pioche. Alors, on va Energizer avec avec lequel. Comment va-t-il énergiser? Comment on fait pour énergiser avec tout ça? Ok. On va attaquer. Oui, là. Je vais dire... Pas de contre. Pas de contre. Okay. Tristan, The Win. C'est la vie, mais ça ne marche qu'avec Bélis, vous pouvez au fait. Ah oui, je vais vous oublier. J'ai pas le bon leader. Parce que le cas nous parle effectivement du leader de Bélis, BT1, ah, oui. Qui permet de win avec ses énergies. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, j'ai pas pris le bon leader. T'as pas pris le bon. T'étais bien parti là. Ah, j'étais bien parti là, là je... J'y vais. Là, j'avoue. Mais d'ailleurs, attends. Entre objection et C16, est-ce que tu peux faire des choses sales? Bah, faut. Si. Je sais plus si le prêtre a plus de 35 000. Pourquoi qu'il a 40 000 en plus, si j'ai pas de but. Ah, il y a peut-être moyen. Peut-être moyen de faire un bon futur deck de défaite. Pour la semaine prochaine. Il y a moyen. On va creuser l'idée. On va peut-être trouver le pétrole. On va voir ça. Ça vient de me faire toutes la seconde, mais je crois que le grand prêtre a 40 000, donc tu peux peut-être jouer c'est ça, c'est pas sûr. Après, je regarde. A voir. Pour voir si le chat vous avez la connaissance déjà. Exactement, dites-le nous. Dites-le nous, ouais. Mais il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Bon. 15 crit, là-dessus. 15 crit. Mmh. Tu restes à 15? Non, je reste à 15. 15 crit. Super combo, parce que je suis à moins de 4 points de vie, enfin, je suis à 4 points de vie. Je vais empêcher une carte et je suis à plus 10 000. On est bon. On est bon. Ok. Alors. On va essayer de faire des choses. Union absorbe de ce tome-là. Ouloulou. Pour 4. Là, je suis pas bien, mais c'est bien. Alors, il nous dit, choisissez un sel depuis votre main ou de la zone dispersion. Il est là. C'est dame. Placez-le en dessous. Caillou, peut-être. Oui, il y a caillou. Mais ce que je parlais, c'est surtout de du grand prêtre. Est-ce qu'il a plus de 35 000 ou pas? Parce qu'en fait, le C16 bloque l'avenue des cartes qui ont plus de 35 000 ou 30 000. Non, 35 000 et 30 000 pour être précis. Il me semble que le grand prêtre a 40 000. Donc s'il a 40 000, bah, tu peux rendre comme un sac. À voir. Ouais. Ça peut être bon. C'est ça ouais. Que je me posais comme question. Mais tester, ouais. À voir. Ouais. Du coup, tu sais, sur l'absorption, alors, je mets le sel en dessous. Et placez-le sous cette carte. Choisissez jusqu'à un super C17 avec un coût d'énergie de 6 depuis votre deck ou votre zone dispersion. Jouez-le par-dessus cette carte, puis mélangez votre deck si vous avez regardé à terre. Alors, zone dispersion, il n'y est pas. Je ne l'ai pas vu. Donc, s'il n'est pas dans la zone de dispersion. C'est qu'il est dans le deck. Ah, c'est qu'il est dans le deck. Voilà, gros coup de chance, tout est en point de vie. Et... Oh. Alléluia! Oh là là. Non. Ah non, mais pas ça. Ça peut pas changer. Il y en a 3, je crois, de souvenirs en plus, quand même. C'était malchanceux? Non, c'était malchanceux. Oh non. Bon. Il n'y est pas. Ah, je suis triste pour mon Dios. Non. En fait, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il en a mis qu'un dans le deck. Non, non, je suis sûr, il y en a 3. Je suis désolé pour toi. Bon, et ben, du coup, non. Bah, tant pis. Tu vas devoir attendre. Bon, il va attaquer quand même. Allez, hop, il attaque. Tout son point. Ah, je suis triste pour toi. Ça fait partie du jeu. Voilà pourquoi ce deck n'est pas méta. C'est ça. Ça me rappelle une game d'ailleurs au CDE où j'ai eu la même avec le Broly. Où tous mes Broly 1 étaient dans tous mes Broly en fait. Aïe. Ah, c'est vous dire que vous avez envie de quand vous jouez 4. Quoi. C'est triste. Donc du coup, 20 000, 20 000. Sur moi, tronche. Allez. Pour la peine. Pas de contre. 20 000, je reste à 20 000. Et puis, allez, on attaque leader. Pas de contre. Écoute, explosion.
Avec ces conneries, je vais mourir à la meule. C'est tout ce que je vais réussir à faire. Et bah 10 000, là dessus, tiens. Allez hop, on reste à 10. Moi j'éveille. 15. Allez. 7. Fin de tour. En plus, t'as 4 énergies. Et là où Joe, je vais enclencher. On va enclencher fort, monsieur. Ouais, je pense que quand il s'éveille, lui, il fait pas semblant. Mais il gagne 5 piles et critique quand il attaque. Rien que là. Rien que ça. Rien que ça. En plus, il pioche, d'ailleurs. En plus. Rien que ça. À 19 000, parce que c'est rigolo, je vais attaquer. Bon, on va se faire tous les deux. 19 000 simple frappe. Ok. Pom, pom, pom. Bah déjà, on va pas contrer, ça c'est sûr. Je vais pas booster. On booste pas non plus. Ok. Bah écoute, on ne booste pas, on va prendre. Ok. Simple frappe. Simple frappe. Ouais, je vais prendre. Bon, on va remettre un petit point de vue. On va faire après. Après. Oui, là tu vas faire mal. Là. On va plancher ses verres. Les gars, recentrer la cam, ça fait pas trop là. Ah oui, un petit peu baisser la cam. Ah, oui, bonjour en passant. Beaucoup mieux. Oui, beaucoup mieux. Merci. Monsieur Chacha Boy. D'ailleurs, je pense que tu viens de débarquer, mais on a eu des tremblements de terre de chat qui nous a fait. Ouais, on a été attaqué par virus. On a eu plusieurs reprises. Dit, ouais. Donc, c'est ça. Donc, pour 1, je fais son effet. Donc, ce qui est en dessous au cimetière. Lui, par son effet, va aller en dessous du deck. Il va me faire bannir un 4. Et par la continuité de son effet, je vais choisir un Janemba banni et jouer sur le terrain. Tac, c'est coupé, monsieur. Et le voilà. À 20 000 coups critiques, je chatouille ton leader. Rien que ça. Rien que ça. Pas crit. Pas de contre. 30 double crit. 30 double crit pour lui. Je le dis, c'est mon masqué de Saiyan qui fait ça. Ah, pub de Malo sur le stream de Car Game. Ah oui, mais super sympa, Malo. On pousse, pousse en l'air. Ah, Malo. Malo, c'est un Malo, bon. Malo, t'es le frère. Malo. C'est ça. Si tu nous vois. Merci. Vous avez la Golden Heart, nous, on a les Golden Doigts. Les Golden... les Golden Doigts. Les Goldfinger. C'est ça. Les doigts. Yo, Gogeto. Bon, et ben, pour ceux qui arrivent là du C2, bravo, Steven, super, bravo. Très bon gars. T'étais là pour en découdre. Il a tout décousu sur son passage. T'as décousu toute l'Europe, donc... Il a tout enclenché, franchement, il nous a remonté là. Et il a prouvé aux Anglais que les Français, bah, on n'est pas si mauvais que ça, en vrai. Franchement, il a assuré. Très, très bien. Gros chapeau, lui. Pour et pendant ce temps-là, bah, il met 30 double crit. 30 comme double ça. Crit, c'est rigolo. Boum boum. C'est ça. Bah écoute, bah, ça va être pris. Hein. Enfin, ça va être pris. Ça va être mis surtout en dispersion. Et la barrière. C'est toi. Vu que. On va faire son activation principale. Transférez cette carte dans la dimension parallèle de son propriétaire. Si votre adversaire a 4 sources d'énergie ou plus et qu'il n'y a pas de Janemba en jeu dans votre zone de combat, choisissez jusqu'à un Janemba qui a un coup d'énergie de 5 depuis votre main et jouez là. Et gratuit en plus. Continuité. Auto, quand cette carte est transférée dans une zone de combat dans une dimension parallèle, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse transférée dans la dimension parallèle de son propriétaire, regardez la carte du dessus de votre deck et rajoutez jusqu'à un Janemba parmi elles depuis votre main et au moment de votre deck. Effet, je te bannis celle-là, parce que ça va apparaître. Et hop, la carte du dessous. Oh là. Mais c'est un Janemba. Oh, le petit Janemba. On ne savait point. Maintenant, on va devoir mélanger. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Là, je suis banni. Je sens que je vais me faire rouler dessus, là. À 25 000. Critique. En plus, quand on joue ces cartes, on ne pouvait pas rejouer le Janemba à la chaîne infernale. Donc, c'est pour éviter justement la surdose. Mmh. Et étincelle 10. 3, 3, 6, 3, 9. On a un petit peu plus que 10. Je pourrais placer cette carte en dessous de mon deck. Et si mon leader est un Janemba, je choisis un Janemba de coup 4 depuis ma zone de dimension parallèle et je la rejoue après.
Boum, parce que c'est rigolo. Boum, 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 boum. Trop chaud. Quand c'est Steven, la France va gagner l'Euro 2020, c'est sûr. On veut voir Steven, nous. Oh, cette relie ici, c'est sous Janemba MDR. Steve. Et oui, Janemba. C'est lui qui. Bah, après, c'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas le même Janemba. C'est pas le même Janemba. Rien à voir. C'est une autre version. Donc, à 25 000 critiques, je rechatouille ton leader. On a fait comme chez toi, hein, vas-y. Oh, je suis chez moi. C'est chez toi. En plus, c'est beau, c'est beau. 20 000. 25. 25 crit. 25 crit. 25, 25. Bah écoute, ce qu'on va faire, on va. Déjà, on va pas contrer déjà. On contre pas ? Non. 35 double crit. J'en rajoute encore une couche, je suis désolé. C'est le but du deck, là. Ça... On y va. Bon, alors, on va s'éveiller. Bon. Je crois alors... que ça, j'en ai marre, là, ça y est. Là, Wojo, ouais, 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 il est stop. Non, d'habitude, c'est coucou moi qui. Coucou la Golden. C'est moi qui joue en crit. Et merci, Malo, effectivement, pour la pub, c'est super sympa. J'en reste deux. Ok. Ceci étant fait, on est à 15. Donc toi, t'as 35. 15, 35 double, crit. 15, 25, je pioche. Le voilà, voilà. Le voilà. Ah, alors. C'est celui que je cherchais tout à l'heure dans le deck. Alors, maintenant, il était dans les points de vue. Okay. 15, 25, 35. Il nous manque... Il nous manque un petit quelque chose. Allez, allez hop, c'est bon. C'est défendu. C'est passé. C'est pas mal, c'est pas mal. Grâce à son étincelle 10, je vais le bannir. Non, non, je crois que je vais le rendre sous le deck. Attends. Passer ses cartes au-dessous de son deck. Ouais. Et je vais pouvoir choisir un Janemba de coup 4 dans ma dimension parallèle et le jouer. Le revoilà. Le 20 000 crit. C'est beau. Hein. C'est beau. On n'arrête pas de progresser. C'est beau. J'avoue que c'est beau. Mmh. C'est fort. Ah. 15 000. J'attaque ton leader. Par son auto, il va passer donc à 20 crit. Je pioche une carte par son attaque. Pas de contre. Je pioche une. Je te dis pas de contre. Et 20 crit. Je paye 1. Double frappe. 30 crit. Double. Désolé, je rajoute une petite couche. Ce qu'il a pas dit, c'est qu'il joue. Il joue 4 champas et 4 caillots. J'en ai dans les manches. Il y en a pas. Ça parle anglais ici. Ça parle anglais ? Ouais. Si vous voulez, on peut parler anglais, mais. Ça va être un massacre, parce que mon anglais est très développé. On I peut... speak very well English, you know. On pourrait parler portugais, ça on sait faire, pas de ouais, problème. Puis... Mais anglais, bon, un peu plus compliqué. Bon. Parce qu'on a gagné contre les anglais. Yes, ah, we have beat the English, you know. Beat the English, yes. Cool, génial. Et ouais. Pour le moment. En attendant. En attendant, par ici. Il y a un Janemba de double crit. Il y a 20... 30. Ouais, oui, bah, il passe à 500 effets. Oui, je leur ai dit, c'est rigolo, tu vois, j'aime bien rajouter un petit peu. 30 double crit, ok, ouais, ouais, ok. Ouais. Bah écoute, on va faire ce qu'on peut. J'aime bien ça. On va faire ce qu'on peut, on va faire ce qu'on peut. Ça, on va cramer lui aussi. 25. Il te manque 5001. Et puis 35. Encore défendu, décidément elle l'a en source. Ouais, mais bon. La game 2 fut assez magique tout de même. Ah oui, parce que du coup on n'a pas vu. Ah bah j'ai hâte de voir ça, ouais. Ouais, ouais, franchement j'ai hâte de voir ça, effectivement. J'ai hâte de voir les. Ce qui pourra avoir appli un Janemba tricolore. Après, je pense que la surprise a beaucoup joué avec le 8, à mon avis. Mais... Je pense que le leader a surpris, ouais. Je pense qu'effectivement on a dû bien le mettre à mal. Ensuite, 13 combien de cartes en main? Simplement 3. 3 cartes. Tu sais quoi? À 20 000 crit. Il s'attend parce que je réponds pas. Allez, vas-y. Je t'inquiète au Super C17. Vas-y, envoie la sauce. Il attaque le Super C17. Pas non. Lui, pas lui. Bon, j'aimerais bien quand même qu'il évolue. Il n'y a pas de compte, hein. Pas de compte. J'ai envie qu'il meure. J'ai plus de respect. Pas de pitié. Pas de pitié pour le cyborg. Alors qu'ils nous ont aidés au tournoi du pouvoir. Sans eux.
Effectivement. On serait pas là, hein, sans qui gagnait le tournoi boutique à Dijon aujourd'hui? Je sais pas du tout. Aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas. On n'y était pas. Mais dans le chat, on doit pouvoir avoir la. Je pense qu'on aura la réponse dans le chat, effectivement. Si quelqu'un peut nous dire le vainqueur du tournoi du jour à Dijon. J'espère que vous n'avez pas laissé la victoire au Chalonnais. Hein. J'espère que vous avez représenté localement. C'est vrai que les Chalonnais sont venus. Ils étaient présents, ils sont venus, hein. Ils sont venus en découdre un petit peu. Ils sont venus nous chatouiller. Donc, peut-être qu'ils ont emmené la. Je sais que c'était trop utilisé, j'ai l'impression. Ouais, il aime beaucoup les spoilers, on dirait. Donc, je ne sais pas où dans ma bêtise. Tu étais à 25 sur. T'as pas dit fin de tour? Non. Ah, vous avez vu, il commence à essayer de chatouiller lui aussi. Non, vous êtes dans le chat, vous n'avez pas entendu fin de tour? Moi je dis qu'on continue, on continue. Bon, allez, vas-y. Je reste à 25. 25 sur Super CD7. Vous voyez, là je croise les bras parce que je me sens. Oh, puissance. 25. 25, simple. Enfin, un crit sur ton. Bon, bah écoute, 25. C'est. Non. Il est mort, hein? Il est mort? Il est mort le tour? Il est mort. Il est mort. Il est mort. Bon. Bon, bah écoute, tout ça. Alors, tout ça. Tout ça pour rien, quoi. Hein? Il a ramé. Il a tout donné pour rien. J'ai essayé de faire ma petite chaîne. Tout tranquille. Tranquille, mais non. Ah bah bon. D'accord, bah j'ai fini. Fin de tour? Fin de tour. Ah bah oui, bah maintenant que j'ai plus rien, que j'ai plus de cases, j'ai plus rien. Désolé. Okay. Bon. Ah oui, et Pinaskin a donné le mot découdre, donc le prochain lot. Ah oui, Pinaskin gagne deux jetons. Son petit doublon de jetons gagné. Pinaskin, yes. Pour ceux qui viennent de rejoindre le stream, je sais pas si vous avez vu. Mais donc là, ça ne va pas compter, pour être malin. Là, ça compte pas. À chaque fois que vous entendrez le mot enclencher ou découdre, vous gagnez un cadeau. Et pour le moment, cadeau, il ne nous en reste plus qu'un. Et c'est un booster scellé BT3 à gagner. Un vrai scellé. On l'a pas ouvert, on l'a pas refermé. Collector BT3, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a peut-être une SCR dedans. Inch'Allah. Je sais pas. On verra bien. On verra bien. Donc vous, voilà, vous avez les règles du jeu, c'est à vous. À vous de tendre l'oreille. Bonsoir, monsieur Google. Là, je sais jamais si comment dire son pseudo. Juste Google. Google. Le Google de Dragon Ball. Alors, du coup, j'ai fait un toast à toi, monsieur. Ouais, moi je sais même pas si je vais mettre une énergie parce que. ok. Ouais. Non, je crois que j'ai pas mis d'énergie. Attends. Merci. Que va faire monsieur Woodhouse? Voilà, on va mettre les points de vie à jour parce que. Oui, vas-y. Hein, il y a une cascade de quelque part, je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas moi, j'ai rien fait. Vous êtes à 3. 3 à 7. Enfin, de 7 à 3. Moi de mon côté, je sais pas si c'est 3. Petit changement. Très léger. Je vais mettre ça en énergie. C'est mon début PC. Wow! Ça commence à faire des minonneries par là. Alors qu'est-ce qu'il dit lui? Attends, c'est le 5, ok, pêche une carte, critique, ok. C'est son principal sur la 10 cartes, on peut dans sa main. Laissez, bon stream, amusez-vous bien, je suis mort perso. Tu m'étonnes Malo. Franchement avoir ça casse toute la journée, je te comprends. Du coup il va plus avoir de voix good job. Sur les rotules. Good job et merci pour tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais pour la communauté, tout ça, vraiment un grand merci à toi. Cool, à bientôt. Repose-toi bien. J'espère que tu ne me crois pas. Alors, que fais-tu, monsieur Otis? Écoute, je vais attaquer. Il attaque. Attends, c'est 5, donc je les ai. Je vais piocher une carte. À ton attaque, là. Il va acquérir Kukitik. Ok. J'attaque. Et je la contre pas. Je la contre pas, ok. Déjà, on va piocher. Ok. Ensuite, on va faire critique. Pour un, je vais lui donner 5000 doubles. Une copie. 5000 doubles crit. 5 doubles crit, donc on est à 20. Double crit, on est à 20 double crit, on est à 30 double crit. Et tu pioches, pas ça. Et il pioche. 30 double crit.
Quitte entre cartes. Okay. Ça risque d'être compliqué. Je vais rester à 30 double crit. Tu l'as prise. Ouais. Okay. Oh, deux swords. Oh. Deux petites swords. Bon, et fin de tour. Pas mal d'énergie, pas besoin, je suis à 6, c'est ce qu'il faut pour un Janemba aggro. Ouais, c'était là. Alors, est-ce que c'est rigolo à 20 000 crit de ta candidat? Pas de compte. Bon, je ne sais pas ça. C'est une blague. Juste pour le délai, je le montre. Je ne fais pas une double crit encore, c'est dommage. Donc, 20 000 crit, je vais rester à 20 000 crit. Il va partir. Ah mais c'est pas... Je vois qu'entre Cyril et Tremurton, ça s'envoie des mots d'amour. Ah, des mots d'amour. Ah, des mots d'amour, des... Peut-être même plus au bout d'un moment, je sais pas ce qui va se passer entre deux, mais... 15 crit. Il va y avoir des choses sales à mon avis. 15 crit, hein, tu es. 20 crit. 20 crit. 20 crit, pas son effet à son auteur. 25. 25, ok. 20 crit. C'est ton bizarre. Pas de compte. Pas de boost. Ok, je perds un peu. Je sais que tu l'as, la double frappe. Ouais, de faire ton... Je manie, par son effet. Et j'amène son copain. Et je manie rien sur le terrain, parce que j'ai rien à perdre. 25 000 crits, je refrappe ton leader. C'est pas fait, je pars. Pas de contre, hein. Pas de contre, pas de boost. 25 crit. Ok, pas de boost. Pour 1, je vais donner double frappe à mon leader et piocher une carte. Ah. Je vais faire son effet. Ouais. Je vais le mettre en dessous du deck. Ah d'ailleurs, j'aurais pu récupérer sur un autre tas. Je vais faire un dispel. J'ai oublié de récupérer la carte en dessous. Oh, t'as pas besoin de ça. Il revient. À 20 000 crit, je rechatouille ton leader. Pas de contre. Il a une carte. Ah, c'est un super combo. Ouais. Ah. Pas de boost. Qu'est-ce que c'est? Pas de boost. Et bah écoute, moi je boost. À 20. Ah. C'est bien joué, monsieur Woodrow. Ah là, chapeau. Hein. J'en avais encore un autre au 4-4. Ah, il avait ce qu'il fallait en main. Il avait ce qu'il fallait. Des objets. Bon, bah écoute. Qu'en as-tu pensé, monsieur Serge? Alors. Ce deck, ouais, marrant. Marrant, mais bon, tu vois, j'ai eu la mauvaise surprise de rien absorber pour 4 énergies. Donc ça m'a mis. C'est très moche. Ça m'a mis un peu mal. Mais non, bah, coup de deck, ouais, deck fun, c'est clair que voilà, c'est pas. Voilà, ouais, ça reste vraiment du deck à thème, vraiment deck à thème, fun. Pour le plaisir. Cool. Hein. Je pense pour, voilà, pour se marrer, pour se faire plaisir. Mais ouais, sympa, je connaissais pas donc. Même le Janemba, je connaissais pas, donc cool. Janemba qui crit, ouais, c'est. Janemba est pas mal, hein. C'est pas mal. En fait, c'est rigolo de pouvoir justement jouer beaucoup de double frags, extrêmement critique et envoyer du stack. C'est pas mal, franchement. Même le Spadicet, je pense que c'est peut-être moyen de le re-EP justement avec les C16. Mmh. Oui, je pense qu'il y a moyen de. Oui, il y a moyen parce qu'il touche pas. Enfin, il plafonne tous à 25 000 max. Ouais. Donc, pareillement, C16 rentre parfaitement dans la synergie, donc tu peux build les. Avoir un bon deck, ouais. Tu peux faire des choses, hein. Pas mal, un bon, bon leader, voilà. Très très bon leader. Ok. Bon bah, le combat des fratés est terminé. Janemba a été gagné. Victorieux. Donc pour ceci, je vais faire un cadeau à Monsieur Woodrous. Oh. Un cadeau pour Noël. Oh. Tiens. Oui. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Et ça va pouvoir annoncer, vu qu'on a encore un petit peu de temps, si le chat est d'accord. Le chat est d'accord ou pas? Est-ce que le chat est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur? Est-ce que vous êtes d'accord? Dites-le nous. Pour faire une double surprise à notre ami Woodrous. Deux surprises. Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? C'était je pas... sais pas, j'ai envie d'être très généreux. C'était pas prévu.
Découdre. On l'a pas dit. C'est ça, on l'a pas dit, mais il le dit. Il anticipe. Ouais, je crois que le chat est mitigé. Je crois qu'ils ont pas envie. Ah, le chat est mitigé. Le chat est mitigé. On sait pas. Ou le chat dort, parce qu'il y a quand même une journée de championnat d'Europe. Ouais, c'est vrai et que. Je pense que ceux qui ont été là, allez go. Golden Heart. Golden Heart a parlé. T'as le droit à ton cadeau. Aïe aïe aïe. Ton cadeau. Étant fan, je t'offre ceci. Oh Majin Vista. Non, je l'ai pas en plus. Il l'a pas, c'est pour ça. Étant un grand fan, j'ai réussi à remettre la main dessus. Excellent, excellent, excellent. Tout scellé en plus. Scellé dans le petit plastique. Eh oui. Un cadeau. Bah écoute, de cœur. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce qu'en plus, déjà, je l'ai pas dans ma collection. Oh. C'est une des peu de cartes qui me manquent et effectivement c'est mon perso préféré donc bah, je te ferai un bisou tout à l'heure. Avec plaisir. Merci faites beaucoup. Un bisou de vous tous. Merci beaucoup. C'est très, très 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 gentil. Et bah, le écoute. Second cadeau qu'on va pouvoir faire, je vous l'annonce, c'est un combat des frères improvisé de nos deux decks préférés. Enfin de nos deux persos préférés. Vous allez donc pouvoir le brûler, oh. Confronter. Majin Vegeta. Oh là un là. Deck Majin Vegeta. Il l'a fait. Il l'a fait. Le deck Majin Vegeta va arriver. Ah, ça me fait plaisir. Pour justement découdre le brûlé. Ah, ça va être sympa. Ça va être sympa. Ça va être cool. On va se faire ça. Voilà. Je vais juste vous faire une petite pause d'une minute ou deux ouais. Pour préparer le deck. Préparer ça. Ah, Just Wiggle a eu le droit de découdre. Ah non, c'est le premier découdre, ça a été Maître. Non, Mali. C'était Mali qui a eu le premier découdre. Après, on a quand même un dé à coudre qui est mignon aussi. la petite nuance des Daku. On le sent. Donc effectivement, du coup, c'est Mali qui alors va Mali, gagner. Il va gagner le... Le booster, c'est les BT3. Avec la secrète ou pas. Et Mali, oh. Il y a la secrète dedans. Tu verras. Il l'a touché, Woodrose, il a fait... J'ai touché, j'ai... Il a fait quelque chose, je sais pas ce qu'il a fait. De marabout, je l'ai marabouté le booster. Il va être chaud, il va être chaud. Ça va te faire plaisir. Il va encore l'acheter. Il y a peut-être moyen qu'il va encore l'acheter. il achète tout ce qu'il touche en fait. Ouais, c'est ça ce que j'aime bien d'ailleurs. On dit des choses et ça va plus. Et bah, donc, écoute. Petite pause de quelques minutes pour préparer les decks. Et vous allez voir, un combat magique. A tout de suite. A tout de suite, messieurs.